ceux qui représentent la République, les dirigeants devraient s'imposer la discipline d'éviter le mensonge. C'est quand même de notoriété publique que les autorités dirigeantes de la Guinée actuelle ont pris des engagements vis-à-vis de la CEDEAO et que cet engagement-là les astreint à organiser des élections en vue de sortir de la transition au plus tard le 31 décembre 2024. Cela est de notoriété publique. Maintenant, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, eh bien qu'ils daignent dire à la Guinée et aux institutions partenaires qu'en raison de ceci et de cela, le calendrier tel que préétabli ne saura être tenu et on tirera les conséquences. Mais que l'on dise qu'il n'y a pas d'engagement formel entre eux et la CEDEAO quant à la sortie de la transition au soir du 31 décembre 2024, je suis désolé, mais c'est un gros mensonge de la part de ceux qui nous représentent, de la part de ceux qui tiennent l'appareil d'État. Et ça, ce n'est pas étonnant que notre pays soit totalement déliquescent au regard de l'attitude immorale de ces personnes qui gouvernent aujourd'hui.